Bonjour, ici Suzy Prénoveau. Pour débuter, j'aimerais vous souhaiter la plus merveilleuse des années. J'espère que ça va bien de votre côté. Voici le programme pour l'émission d'aujourd'hui. Je vais recevoir Cindy Lauzon, qui est responsable des communications pour la FADOC Laurentide. Il y a beaucoup de choses qui se trament pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, en plus des différents services offerts au quotidien. Aussi, nous sommes allés sur le terrain pour rencontrer Joanne Lusignan, qui est une artiste et aussi membre du conseil d'administration de la Maison des arts de Saint-Faustin, qui présente Art en fête jusqu'au 16 janvier. Vous allez voir, il y a de très, très beaux bijoux à voir sur place. Et pour commencer, je reçois la directrice générale de Parents uniques des Laurentides, c'est Nancy Desormeaux. Bonjour et bienvenue. Merci. Bon début d'année à vous également. Là, on va parler de ce qu'est Parents uniques des Laurentides. Je suis bien, bien curieuse. Je ne connaissais pas cet organisme-là qui a toute son importance pour la MRC des Laurentides. C'est bien ça? Exactement. Parents uniques des Laurentides existe depuis maintenant 37 ans. Au départ, c'est né d'un besoin d'une femme monoparentale avec ses trois enfants qui avait besoin de briser l'isolement et avoir du soutien. Et puis, au fil des années, on a ajouté aussi le service pour les pères monoparentaux, puis les familles recomposées. Donc, la mission de Parents uniques, c'est d'aider et soutenir les familles monoparentales et recomposées sur tout le territoire de la MRC des Laurentides, donc de Valmorin à la Minerve. Et vous êtes situé à Sainte-Agathe? Oui, exactement. C'est ça. Donc, OK. Vous offrez quel type de service pour ces familles-là? Bien, tout d'abord, Parents uniques, c'est un milieu de vie. On accueille les familles d'une façon chaleureuse et sans jugement, avec beaucoup d'écoute et d'empathie. On y retrouve une cuisine pour nos cuisines collectives, un salon des membres où on fait nos cafés-causeries, des ateliers. On a une joujouthèque, une salle de jeu pour les enfants, un petit volet de magasin partage où on retrouve des vêtements, des articles usagés pour nos familles. Puis, on a un service de bonhomme à lunettes. Alors oui, c'est ça. Vous avez différents services offerts. Puis, c'est quoi le service de bonhomme à lunettes? Le bonhomme à lunettes, c'est des opticiennes qui se déplacent dans nos locaux tous les jeudis, de 1h à 15h30. Et puis ça, c'est ouvert à toute la population. En fait, les gens apportent leurs prescriptions, vont passer un examen de la vue chez un optométriste dans un premier temps, arrivent avec leurs prescriptions, puis ont un choix de montures variées. Puis deux semaines à trois semaines plus tard, là, ils peuvent revenir chercher leurs lunettes qui ont payé vraiment, ils ont fait des économies assez grandioses. Substantiel, bien oui, je comprends surtout. Donc, vous dites, c'est pour toute la population, ce service-là, par exemple. Oui. Donc, oui. Population en dehors de la MRC des Laurentides? Ou également, bien... oui. OK, donc ça inclut vraiment tout le oui. monde. Oui. OK. Vous avez d'autres types de services offerts, des ateliers notamment que vous donnez aux parents qui sont dans le besoin. Quel type d'atelier? Oui, en fait, on va débuter ces ateliers-là le 20 janvier. Alors, c'est par session, trois rencontres de 2 heures, puis ça va être donné par 2 travailleuses sociales. Donc, Mme Lorraine Filion et Émilie Fafard vont donner ces ateliers-là. C'est sur la communication des parents après la séparation. On sait que c'est important de maintenir un minimum de communication pour le bien-être puis des enfants, pour les aider à mieux s'adapter à la situation. Donc, c'est à venir cet hiver. Bon, ça, ce type d'activité-là, d'atelier, vous les tenez depuis de nombreuses années, ça va de ça. Mais là, comment vous faites ça en temps de pandémie? En fait, on a dû s'adapter comme plusieurs, là. Donc, nos activités maintenant sont sur rendez-vous. Les gens doivent communiquer avec nous. Oui. Puis... aussi, comme nos cuisines collectives, nos cafés-causeries, on a réduit le nombre de personnes qui peuvent participer à la fois. Puis, bien sûr, le port du masque en entrant, la désinfection des mains, ça va de soi. Et puis, on prévoit dès les prochains mois, là, dans notre nouvelle programmation, des ateliers plus virtuels. On va tenter aussi l'expérience des cuisines collectives virtuelles. Donc, il y a une demande là-dessus. On va
on va se relever les manches puis essayer ces nouvelles choses-là. Les gens qui ont accès à vos services depuis de nombreuses années, bon, j'imagine que la clientèle change, ça évolue au fur et à mesure qu'on a reçu l'information puis les services, mais est-ce qu'il y a eu des défis supplémentaires pour les familles monoparentales au cours des derniers mois que vous avez vus là? Oui, oui, tout à fait. Ben, au début de la pandémie, ça a été difficile pour les familles monoparentales parce que c'était un membre de la famille qui pouvait aller faire l'épicerie, donc il ne pouvait pas laisser l'enfant ni à la maison ni dans la voiture. Ça a été un gros défi. Ils ont eu besoin aussi, ils ont vécu beaucoup de stress. Donc, nous, on a apporté beaucoup d'écoute à ce moment-là, puis essayer de trouver les ressources qui pouvaient les aider. Nous, on a apporté un soutien, justement, en allant livrer des cartes d'épicerie, même des épiceries qu'on est allé livrer directement aux familles, avant que tout s'organise, puis que les comptoirs soient en mesure là, de recevoir ces gens-là. Même là, il y avait des familles qui se présentaient pas dans les comptoirs par crainte au niveau du virus. Là. Non, oui, je comprends. C'était vraiment pas évident. Ça a créé beaucoup d'émoi au cours des derniers mois. Vous avez reçu, il y a quelques mois, quelques semaines, en fait, un coup de pouce de plus du gouvernement du Québec. Vous avez déjà accès à un 100 000 $ de subvention. Mais là, il y a un 30 000 supplémentaires qui vous est alloué. Qu'est-ce que ça vous permet de faire, cet argent-là? Oui, c'est vraiment une bouffée de fraîcheur, cette annonce-là. On n'a pas reçu encore les sommes, ça devrait arriver sous peu. Mais ce qu'on a prévu faire, c'est l'embauche d'une nouvelle personne, puis l'ajout d'heures de travail pour les employés déjà en poste et de nouveaux ateliers qui vont venir s'ajouter à notre programmation. Alors ça va vous donner un petit coup de pouce, hein, parce que vous servez combien de personnes à peu près là, de semaine en semaine? En fait, je dirais annuellement, là, c'est une centaine de familles qui viennent à parents uniques participer aux différentes activités ou ne serait-ce que de passer, puis un besoin de ventiler, de partager leur vécu. Alors, avec cet argent-là, ça va vous permettre peut-être d'élargir un peu plus vos services et un peu plus de familles vont pouvoir avoir accès? Oui, tout à fait. Ah, oh, bien, c'est extraordinaire, oui, ça. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, oui. Donc, alors, je rappelle, c'est Parents uniques des Laurentides, donc c'est situé à Sainte-Agathe. Le tout se fait principalement en ligne ou par téléphone pour s'informer d'abord, jusqu'à ce qu'il y ait un retour à la normale des choses. Exactement. Mais il y a des activités qui se font à l'organisme, mais il faut appeler avant pour réserver, puis... avec Super. Un nombre limité de personnes qui peuvent accéder. Bien, chapeau pour tout ce que vous faites au sein des familles monoparentales, des familles recomposées du secteur, on vous le rappelle, de la MRC des Laurentides. Merci, Dénissé Desormeaux. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne année surtout. Vous restez là dans un instant. Tiens, on se fait une petite virée à Saint-Faustin-la-Carré. À tout de suite. Merci à tous les participants du 24 heures tremblantes. Merci! Vous nous faites un cadeau absolument extraordinaire. Ça a été difficile cette année pour les fondations. Merci pour votre implication. Merci pour la recherche. Cette année, c'était vraiment un cri du cœur. Ensemble, nous sommes plus forts! Plus forts! Plus forts! You're helping families like mine and kids like me going through cancer treatment. La Fondation Tremblant vous remercie pour nos petits et nos grands besoins. Nous, on le fait pour Jacob. I cannot say thank you enough on behalf of everyone from CEO. Your efforts have been spectacular. Merci tout le monde pour tant de générosité et d'engagement. Merci de Tremblant et de partout au Québec. Merci de Saint-Hubert. Merci de Québec. Merci de Mirabel. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci aux artistes. Merci de nous avoir suivis tout le week-end. Merci! Merci! Merci. De Saint-Laurent! De Brossard! De Boucherville! Au nord de Bangkok, dans la province de Pathum Thani. De Mascouche! De la Prairie, je vous dis merci à chacun d'entre vous parce que ensemble nous sommes plus forts! Ouais! Grâce à vous, on peut vraiment se le dire, là, c'est ça. Ensemble, on est vraiment plus forts. Together, we are stronger. Merci, à l'année prochaine.
L'équipe de Rendez-vous avec Suzy a eu le bonheur et la chance d'aller à Saint-Faustin-la-Carré pour aller à la Maison des arts de Saint-Faustin pour y découvrir en fait un peu plus ce que nous présente la maison ces jours-ci, en fait jusqu'au 16 janvier. C'est l'exposition Art en fête, alors c'est le temps de faire le plein d'idées cadeaux en fait ou d'idées de belles trouvailles d'art dans toutes ses formes que voici avec Joanne Lousignan. Le thème de l'exposition, c'est l'art en fête. En fait, c'est une exposition qui est récurrente dans notre calendrier. Les années précédentes s'appelaient l'art accessible. Et cette année, bien, on avait envie d'y redonner un peu de renouveau, de la modifier légèrement. Avant, les années précédentes, là, les artistes faisaient uniformément 12 tableaux 10 par 10 pour l'art accessible, puisqu'on voulait mettre en vente des tableaux de petit format à des prix très accessibles pour la période des fêtes. Mais il y avait des gens qui auraient préféré un tableau un peu plus grand, une forme un peu différente. Alors, la co-commissaire Danielle Perrance et moi, cette fois-ci, on s'est dit, bien, on va rajeunir, ça ne fait jamais de mal après 5 ans de rajeunir une exposition. Donc, on a permis, c'est aussi une exposition différente parce qu'elle n'est pas accrochée sur les murs, elle est sur des panneaux. Chaque artiste a un panneau et où il doit respecter certaines distances, là. Mais on leur a donné comme le choix des formats, donc de fournir des œuvres toutes du même format ou de formats différents à des prix accessibles mais différents. Et la plupart des gens ont eu une réponse très, très positive. Les gens ont dit « Ah, on est très heureux d'enfin pouvoir participer. On ne voulait pas faire 12 tableaux 10 par 10. » Là, vous me disiez que ça faisait plusieurs années que vous aviez cette exposition-là, à peu près à la même période à chaque année. Est-ce que ce sont les mêmes artistes qui reviennent année après année? Pas nécessairement, mais il y a toujours des artistes peintres. Cette année, il y a 17 artistes peintres, il y a 6 sculpteurs. Et pour la première fois cette année, par exemple, on a invité des gens, des artisans de la boutique des métiers d'art, ici de la boutique cadeau, pardon, à participer avec nous pour comme les sortir un peu de la boutique puis intégrer tout ça dans Donc, des... Donc, il y a des œuvres de peintres, d'artistes et des artisans. De sculpteurs et 3 tables des artisans, oui. C'est ça. Donc, il y a 17 peintres. Et sur les 17 peintres et 6 sculpteurs, donc 23... je vous dirais qu'il y en a probablement 15, au moins une douzaine, peut-être jusqu'à 15, qui exposaient les années précédentes aussi. Là. Moi, j'ai déjà exposé 2 ou 3 fois. Les sculpteurs que je vois ici là, aussi sont là régulièrement. Parlez-nous des artistes, donc, de ces 17 artistes-là. Est-ce qu'ils proviennent de la région immédiate, c'est-à-dire du Grand Saint-Faustin-la-Carré ou d'un peu plus ailleurs? On souhaiterait bien que tout le monde vienne du Grand Saint-Faustin-la-Carré. mais nos membres, on a 130, ça varie entre 130 et 150 membres à la Maison des arts de Saint-Faustin. Et puis, ils viennent des Hautes-Laurentides, des Laurentides, de la région, oui, de l'Outaouais, de la région de Laval, de Montréal, même de la rive sud de Montréal. Il y en a plusieurs quand même qui représentent la région là, de Sainte-Lucie, des Laurentides, de Val-David, de Saint-Faustin même. Mais il y en a qui sont d'ailleurs aussi là. Est-ce que c'est eux qui viennent vers la Maison des arts de Saint-Faustin pour dire « Moi, j'aimerais ça exposer chez vous » ou bien c'est le contraire ou un peu des deux? En fait, je ne sais pas comment c'était il y a plusieurs années, mais là, on est un peu victime de notre succès, je vous dirais, d'année en année, quand cette exposition-là, entre autres, est annoncée et les avis envoyés aux membres pour ceux qui désirent participer, là, les avis d'inscription. Il ne se passe même pas 48 heures que c'est plein puis qu'il commence à avoir une liste d'attente. Alors, ce sont vraiment les membres qui attendent cette exposition-là. Et il y a souvent, parmi nos visiteurs, des gens qui quittent pas la maison sans dire « ben moi, j'aimerais ça, exposer ici, devenir membre, qu'est-ce qu'il faut faire? » Alors, c'est comme un outil de recrutement en même temps, ce qui fait qu'on a des nouvelles, des participations nouvelles. Parce que la mission de la maison, c'est aussi d'encourager les arts sous toutes les formes, les techniques, mais d'encourager la relève des artistes qui sont...
amateurs qui voudraient devenir des artistes professionnels ou semi-professionnels et des artistes professionnels. Il y a des gens de tous les niveaux, donc, et qui on veut ouvrir ça pour que ça soit accessible à tout le monde. On a fait une démarche auprès des élèves, là. C'est toujours un peu compliqué avec les commissions scolaires, là, mais on essaie d'arrimer des projets aussi avec d'autres éléments de la municipalité, là, d'autres... Vous avez comme bon nombre d'entreprises, on peut dire, ou maisons d'exposition été coupées au cours des premiers mois de l'histoire de la pandémie. Vous en êtes sorti un peu durant la saison estivale, puis là, durant cette saison hivernale. C'est comme une bonne façon, en fait, de venir faire le plein de couleurs, de beaux articles, de belles pièces. Est-ce que c'est un peu ça que les gens recherchent quand ils viennent ici? Bien, je pense que oui, parce qu'on a été fermé de mars jusqu'en août. Ouais. En fait, quand on a réouvert, notre clientèle avait beaucoup changé, ce qu'on a réalisé aussi, parce qu'il y avait beaucoup plus de gens locaux, des gens qui ne nous connaissaient pas, mais qui venaient des villages avoisinants, des villes avoisinantes, et qui passaient. Ils disaient, bien, moi, c'est la première fois que je viens, mais puisqu'on va nulle part cet été, on se promène. Et puis là, bien, avec la deuxième vague, ça a diminué encore. On a dû diminuer nos heures d'ouverture et le nombre de personnes qu'on peut laisser entrer au même moment. Et puis, bien, comme ça, on s'est retrouvé avec un achalandage légèrement moindre que les années précédentes, surtout aussi parce qu'on ne peut pas faire de vernissage. Là. Quand il y a journée de vernissage ici, il y a souvent 200 personnes. Là. Ouais. Comment ça fonctionne quand on est dans les derniers journées, derniers jours, en fait, le dernier sprint pour venir voir ces toiles-là? Est-ce qu'on doit réserver notre présence à l'avance? Comment ça fonctionne? Non, on n'a pas à réserver. La maison est ouverte du mercredi au dimanche. Et l'accès, bien, c'est sûr, il y a un maximum de 25 personnes au même moment. Je pense pas qu'on ait atteint ça beaucoup, là, dans les mois qui viennent de s'écouler, sauf certaines journées, là, où il y avait la fête de tous les citoyens de Saint-Faustin-la-Carré ou des journées particulières. Mais il y a un achalandage assez bon. Il peut arriver qu'on ait à attendre quelques minutes sur la galerie, là, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait plus que 5 personnes dans chaque pièce, j'ai bien compris, là, mais les normes changent assez régulièrement, c'est que je ne voudrais pas être citée dans ça. Mais moi, je pense que c'est une belle occasion, oui, de faire autre chose que son épicerie, puis d'aller à la pharmacie, puis de venir se faire plaisir à l'âme un peu en même faire temps. Le de plein de culture, oui, oui. Vraiment. Et en terminant, quels sont les différents médiums qu'on retrouve lors de cette exposition? Ah, bien, dans cette exposition-ci, là, il y a de tout, vraiment. Il y a des artistes qui font de l'huile. Il y en a qui sont à l'acrylique. Il y en a qui sont sur impression numérique sur aluminium. Il y a des estampes, des arts imprimés, là, des monotypes, des collages. Il y a de l'encaustique, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Là, il y a deux artistes qui font de l'encaustique. Il y a vraiment un bel assemblage de différentes techniques, là, puis sans compter les sculptures sur métal, sur bois. Une belle sortie qui fait du plaisir à l'âme. Ben oui, j'espère. Ma prochaine invitée est aux communications, en fait, pour la FADOC Laurentide. C'est Cindy Lauzon. Bonjour, Cindy. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes une toute nouvelle au sein de la FADOC depuis quelques mois seulement. Exactement, mais déjà, les deux pieds dedans bien engagés. Il faut. Je suis intéressée de savoir, en fait, ce qu'offre la FADOC Laurentide et spécialement ces jours-ci. Définitivement. Donc, la FADOC, peut-être juste pour remettre un petit peu les gens en contexte, donc le plus grand réseau d'aînés au Canada, 550 000 membres, donc il y a du monde. Dans les Laurentides, c'est plus de 43 000 membres. On est actifs depuis 1972. J'étais pas là depuis le début, mais bon. Mais donc, c'est ça, 35 clubs affiliés. Donc, c'est actif, il y a des activités qui se passent. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a dû revoir l'ensemble de nos activités, de nos services, de les adapter, de passer ce qui est rendu les nouveaux mots de présentiel à virtuel. Mais on s'assure de toujours être présent pour nos aînés et encore plus pendant cette période difficile. Donc, pour ces quelques dizaines de milliers de personnes qui ont accès à vos services comme ça, oui.
Quels sont les services que vous leur offrez? En fait, c'est des programmes qui sont en place pour les soutenir. La plupart des programmes qu'on a fonctionnent sous forme de subventions. Donc, un des programmes qu'on a justement qui est tombé à pic... À pic, oui, c'est ça, si je peux... Pile poil, avec la situation, c'est AVA, donc Accessibilité virtuelle aux aînés. Donc, c'est grâce à une subvention du gouvernement du Canada et de la Croix-Rouge, on a pu prêter 142 tablettes à des aînés de la région, incluant une formation de base. Donc, je tiens à remercier aussi d'ailleurs nos bénévoles parce qu'ils font partie de la grande famille FADOC. C'est grâce à eux qu'on peut mener à bien plusieurs activités, des formateurs qui se sont proposés pour justement rendre accessible la technologie aux aînés, de briser l'isolement, tu sais, puis de maintenir tout ce qui est leur interaction sociale pendant ce temps difficile. Donc, justement, hier, je parlais avec la chargée de projet, puis elle m'a dit, Cindy, c'est merveilleux la retombée qu'on a, à quel point c'est positif, que ça apporte du bien dans la vie des gens. On avait une dame de 80 ans qui nous disait, merci, grâce à vous, avec justement que j'arrive à utiliser maintenant la tablette, bien, je peux appeler ma famille, je peux appeler mes proches, mes petits-enfants, prendre des nouvelles. Donc, ça vient vraiment briser l'isolement chez ces personnes-là, la solitude qu'ils peuvent vivre dans ces temps plus difficiles. Absolument. Puis ouais. D'ailleurs, il y a un petit coup de baguette magique que vous avez fait juste avant le temps des fêtes en créant, en fait, beaucoup de bienveillance justement pour les aînés avec ces différentes cartes. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien, c'était une petite idée qui nous a... en même temps, on ne réinvente pas la roue, mais toute petite action, geste concret qu'on peut faire pour acheter un petit bombe sur leur cœur. Donc, en collaboration avec des écoles primaires de la région, on a pu remettre plus de 700 cartes de Noël aux aînés. Donc, on est super contents. On remercie d'ailleurs les professeurs et nos petits lutins. On a des super belles photos, justement, qu'on a reçues de leur part. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis, faut en prendre soin de nos aînés. Ben oui, tout à fait. Oui. Et pour faire... Et d'ailleurs, bon, on prend soin de nos aînés, mais aînés pour la FADOC veut dire aussi les 50 ans et mieux. Définitivement. Qu'on dit. Oui. Donc, est-ce que vous avez différents services à faire pour les différentes tranches d'âge, en fait? Bien, on ne va pas diviser selon des tranches d'âge. Le but, c'est vraiment l'inclusion sociale, que tous s'y sentent. Le vieillissement actif, ça commence dès 50 ans. Le but, c'est de ne pas attendre la retraite pour recommencer à prendre la forme et tout ça. Donc, c'est vraiment de maintenir le cap puis de faire en sorte que finalement, il n'y en a pas de barrière. Il n'y en a pas de barrière. Tout le monde, on peut participer à des activités ensemble. Puis, ce n'est pas juste des activités de pétanque. Ça peut être des activités. faut casser cette perception-là. La FADOC, justement, c'est à partir de 50 ans. 50 ans, c'est jeune. 50 ans, on peut garder la forme. On a justement des cours de dart, de mise en forme. Donc, ça s'adresse à tous. Bon, alors, allez-y avec les différents. Vous êtes comme un point de référence, en fait, pour les différents services offerts aux aînés, si je comprends bien. Oui. Mais aussi, et grâce à cette petite revue là, qui existe, Rendez-vous, hein, l'encart régional, qui paraît à combien de... C'est 4 fois par année. Dans le fond, c'est broché dans le magazine Virage. Donc, tous les membres FADOC qui reçoivent ça à la maison directement. Donc, ça, c'est vraiment adressé pour nos Laurentiens. Donc là, justement, on a fait pour cet hiver la programmation complète que vous allez retrouver. Bon. Une programmation quelque peu chambranlée, en fait, brassée tout court, parce que, pandémie oblige. Oui. Alors, qu'est-ce que vous offrez ou de quelle façon ça va se faire, en fait? C'est sûr que la plupart des activités, la pandémie dure déjà depuis un moment, la plupart des activités sont déjà en mode virtuel. On les a adaptées, on les a transformées, mais c'est sûr qu'on suit de près l'évolution de la situation, parce qu'on a, par exemple, des activités de randonnée hivernale. Donc là, avec les dernières mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, ça serait possible d'avoir des activités à l'extérieur, dans des endroits publics. Donc, on va restreindre le groupe, on s'assure de respecter les consignes sanitaires en vigueur, mais c'est sûr que le territoire de la région des Laurentides est vaste. On a du zone rouge, on a du zone orange. Il faut s'adapter, il faut l'adapter. Donc, on suit ça de près, puis on s'assure de toujours être présent, puis de varier nos activités, de multiplier nos actions. Et d'être sur la coche avec la santé publique, ça va de soi, pour c'est protéger important. Tout le monde. Exactement. Bien, c'est super intéressant. Tu sais, je voyais justement les sorties des randonnées d'hiver. C'est donc bien le fun. Oui. Donc, ça permet une fois de plus juste de rester actif, mais également de pouvoir rencontrer du monde qui ont peut-être les mêmes passions qu'on peut avoir. Oui. Alors, qu'est-ce qui va avoir lieu, en fait, au cours des prochains mois que vous pouvez nous dire
d'ores et déjà que ça va avoir lieu. Bien, c'est sûr que si on se fie à ce que le gouvernement nous a dit par rapport à extérieur, ouais. À voir si ça va se poursuivre après le 11 janvier, donc ouais. Ça serait maintenu. C'est sûr qu'on va s'assurer de respecter toutes les mesures sanitaires en vigueur. Donc, on a du 11 janvier au 25 février dans la région des Laurentides des belles randonnées, que ce soit de la raquette, du ski de fond ou du patinage. Donc, c'est vraiment accessible à tous, puis adapté selon si vous êtes plus débutant, intermédiaire, avancé. Donc, on s'assure de jumeler des gens ensemble qui sont à peu près dans les mêmes niveaux un petit peu de pratique. Par la suite, on va avoir aussi, plus en mode virtuel, des cours d'art. Donc, initiation à l'art-thérapie, qui peut apporter beaucoup de bien. Ah oui, je comprends. Et un coaching aussi en dessin et en peinture. Donc, encore là, accessible à tous. Il n'y a pas de barrière. C'est pas nécessaire d'être un artiste, d'avoir déjà fait de la peinture. Donc, c'est beaucoup sous forme d'initiation. Également, un atelier d'écriture. Donc, oser la plume. C'est vraiment des activités super intéressantes. Puis, on essaie de varier pour rejoindre un plus grand nombre de gens. Qu'est-ce que les gens vous demandent? Est-ce qu'il y a des types de conférences qu'ils aimeraient avoir? Est-ce que vous êtes ouvert, en fait, aux demandes des gens, de votre clientèle? Définitivement. Je vous dirais que le téléphone n'a pas arrêté de sonner, si non plus pendant la pandémie. Les gens ont beaucoup de questions. Il y a aussi tout le volet qui est aussi la prévention envers les aînés. Donc, on a des conférences qui sont en virtuel. Tout ce qui est la prévention de la fronde, l'intimidation, s'assurer que nos aînés vont bien, puis de leur donner des outils pour s'assurer que, tu sais, ils vont déceler finalement tout ce volet-là qui est un peu plus sensible. Donc, on a eu une coordonnatrice qui s'occupe d'animer ces conférences-là. Puis, les gens sont au rendez-vous. Les gens ont le temps. Oui. Ont le temps de, justement, aller chercher de l'information, de s'informer, de se former. Puis, également, le volet aussi de la prochaine danse. On en a beaucoup entendu parler dans l'actualité. Importante. Oui, que les gens ne soient pas seuls. Donc, on a aussi une conférence qu'on a tenue sur la résilience en temps de pandémie, tu sais, de comment passer au travers de ce temps-là qui est encore plus difficile, je dirais, pour nos aînés qui vivent beaucoup de solitude. Donc, des outils pour les gens, les proches aidants des aînés. Donc, comment soutenir leurs proches, leur famille, leurs parents. Cindy Louzon, ça a été un plaisir de vous recevoir avec toute votre belle énergie. On oui. salue toute l'équipe de la FADOC Laurentides qui est toujours aussi dynamique, en fait, d'une année à l'autre, et oui. spécialement en ces temps plutôt, remplis de... Peut-être de défis, mais oui, de belles opportunités. Absolument. Alors, on vous souhaite, en fait, un bon début d'année, puis on se revoit très, très bientôt avec d'autres trucs, en fait, qui concernent la FADOC, j'en suis certaine. Parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. Je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve très, très bientôt pour une autre émission. Rendez-vous avec Suzy. Merci à tout le monde dans le studio pour réaliser cette belle émission. À bientôt. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.